Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce JDR spécial Ghostbusters qu'on va vous proposer ce soir. Bienvenue dans Les Dés sont jetés, une émission de jeu de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Et ce soir ça va être un petit peu spécial hein, puisque les dés vont aussi décider du courage de nos joueurs et joueuses qui vont participer ce soir. C'est un JDR Ghostbusters avec des règles maison, pour ceux qui n'auraient pas vu. La première partie qu'on a sortie là-dessus, elle est disponible sur YouTube, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc des petites règles maison pour jouer. Il n'y a rien d'officiel, hein, mais si le studio a envie de nous payer ou de nous accompagner dans cette démarche, on serait pas contre. Mais pour autant, pour le moment, on se débrouille tout seul. Donc, on vous remercie pour votre soutien. N'hésitez pas d'ailleurs à nous soutenir en se abonnant à la chaîne ou en allant voir nos différents réseaux. Ça peut aider aussi. Alors, avec la source, c'est mieux. C'est les aléas du live. Donc, voilà, vous voyez nos joueurs et joueuses. Donc, on la refait. Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Hello. Voilà, c'est bien de s'en rendre compte assez vite qu'on n'a pas le micro parce que on a fait une autre séance comme ça où on a tourné bien 45 minutes avant de s'en rendre compte, ça fait mal. Bref, donc ce soir effectivement on a des invités exceptionnels autour de la table, des invités pour qui c'est la première fois sur la chaîne des dés sont jetés et eh bien je vais vous les présenter dans l'ordre d'apparition de l'overlay et même je vais les laisser se présenter à la suite, nous dire un petit peu qui ils sont et nous parler de leur actualité. On va commencer par Mélie Melzassar. Mélie, bonsoir. Salut, merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne et de participer à ce one shot qui a l'air, ce bac à Sam pardon, qui voilà, je me réjouis de me régaler par avance de tous ces délices de, voilà. Toi? Oui, moi, bah écoutez, tout a commencé le 8 août 1983, donc c'était à Glézé, à côté de Lyon. Peut-être un peu moins loin que ça. Écoutez, je suis comédienne et je suis joueuse de jeux de rôle sur la chaîne Roll and Play. Voilà, une petite émission qui s'avère, où des comédiens qui s'avèrent tous être comédiens font une partie de jeu de rôle. Voilà, et on est sur notre arc 2 de cette nouvelle campagne qui s'appelle L'Ombre des 12. Voilà. Donc la diffusion c'est le début et nous on est en train de tourner la fin. Ah, voilà. Joie. Tu as, oui, un pouvoir joie. De spoil absolu du coup. Oh oui, j'ai un pouvoir de spoil absolu mais je ne le ferai pas. Voilà. Et puis sinon, j'adore accepter les invitations. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, merci encore d'avoir accepté cette invitation et d'être là avec nous ce soir. Je suis sûr que tu vas kiffer et que tu vas beaucoup t'amuser. Je vais grave kiffer la vibe. Juste en dessous, nous avons MJ Masqué. Comment vas-tu? Hello, très bien. Bonjour à tous et merci de l'invitation. J'ai mis une petite ambiance dark là, vu qu'on est sur Ghostbusters, oh là là, je me suis mis dans l'ombre comme ça. Je suis Cyril, l'alter ego du MJ Masqué, et je suis un créateur de contenu autour du jeu de rôle sur Instagram, sur YouTube, un peu partout. Et je suis très content que Goldie m'ait invité ici, car la première fois que j'ai vu la partie, quand j'ai vu une première partie de Ghostbusters, je me suis dit quoi? J'étais trop déçu de pas être là. Donc, je suis très content. Je me suis fait engueuler comme pas possible. Et j'ai vraiment hâte de vous présenter mon personnage que j'apprécie particulièrement et puis voilà donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur ma chaîne et puis encore une fois j'ai vraiment hâte de commencer la partie, je suis très content. Alors juste s'il y a des modos dans le chat, n'hésitez pas à mettre les liens de nos invités. Je sais pas s'il y a des modos qui sont là ce soir hein. Sinon j'irai chercher les liens moi de mon côté. Voilà. Je le dis jamais mais j'ai un Linktree depuis pas longtemps mais c'est vrai que je pense jamais à le dire donc voilà. Bien écoute, On va le mettre. Ouais. Moi j'en ai un aussi si vous voulez. Balancez-moi tout sinon. Ce que je vous propose les amis, vous me les balancez dans Discord et moi je les mets dans le chat. Oulala, attends, faut que je te. Oh là, faut ça, faire des heures sup quoi. Super. Ah désolé. On est mal reçu. Bref, en tout cas, merci Cyril d'être là. Je suis hyper content de t'accueillir aujourd'hui. Je sais que tu es un très grand fan de la licence et que tu as énormément envie de jouer à ce jeu. J'espère que cette expérience te plaira et que tu kifferas ta life comme pas possible. J'en suis persuadé, il n'y a pas de souci. Voilà, je fais un peu le boomer, c'est exprès, c'est pour faire le parallèle avec un personnage qu'on aura plus tard.
D'ailleurs, salut Big B, comment tu vas? Salut, enchantée. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très 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 contente. Moi, je suis Big B de la chaîne Big B Vision. Je stream pour le hobby. Et j'ai la chance d'avoir une petite commu remplie de rôlistes, puisque effectivement, je stream pas mal de RPG. Donc, uniquement pour le loisir, avec un planning des plus douteux et totalement inexistant. Néanmoins, j'ai un événement vendredi soir. Je fête mes 300 follow et je vais jouer sur Outlast pour fêter ça. Et je déteste les jeux d'horreur. Je fais ça vraiment pour faire plaisir à mes sadiques de viewers. Et j'en perds ma moustache. J'en perds la moustache tellement j'ai peur. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Effectivement, avec Basile, on t'a découvert en live il n'y a pas très très longtemps. Et on aime beaucoup ce que tu fais. Donc n'hésitez pas, vous, dans le chat, à aller voir Bibi TV. On se marre bien. Et je pense qu'effectivement, il y a moyen de se marrer en te voyant sur Outlast. J'ai fait un peu l'expérience aussi faire ça en live avec les viewers, alors que je suis une flippette. C'est pour ça que maintenant je préfère faire jouer à des jeux d'horreur à mes joueurs plutôt que de les vivre moi-même. Voilà. Non, mais moi j'ai vraiment du mal. Hein. Moi, le seul que j'ai fait, c'était L'ombre du Seigneur Démon. Ça vous parle? Je comprends. Il y a le mot démon dedans, donc j'évite. En horreur, sont vraiment pas terribles. Non, mais les horreurs fun, c'est mieux. Alien, c'est rigolo. Comme Alien, voilà, Ghostbusters ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus drôle. Et puis bah, le dernier, Basile, que vous connaissez, mais que je vais quand même laisser se présenter. Hein, oui. Bon, moi, je suis le Igor de notre grand maître Goldie, qui fait des petites choses sur la chaîne. Igor d'Asgore, hein. On ne parle pas du même. et sinon, bon, je fais du JDR un peu à droite, à gauche, chez plein de gens. J'ai pu d'ailleurs faire... de jouer à du jeu qui n'était pas prévu pour être de l'horreur, mais qui est devenu un peu horrible, Amélie, en décembre dernier. On a joué des peluches et ça a fini en truc un peu glauque, c'était rigolo. Rigolo ça, pour moi, en tout cas. Oui, ça va encore. Voilà, et sinon, je suis sur la chaîne des Dessins Jetés, le MJ du jeu Monster of the Week, qu'on a démarré il y a un an environ. On rigole beaucoup. Exactement. Alors attends, juste deux secondes, parce que elle est sur Twitch, donc je mets le shout-out. Je suis aussi le droit de le dire pendant qu'il est occupé. Je peux le meubler s'il faut. Voilà, il est très doué pour meubler. Globalement, pas que, mais il est très doué pour meubler aussi. Mais est-ce qu'il meuble plus que Ikea? Oui. Je sais pas. moi, je prends Paris. Oui. Ça va moins vite, mais ça dure plus longtemps. Immeuble en kit, quoi. Immeuble en kit. Eh bien, chers amis, maintenant qu'on a pu présenter tout le monde, on va pouvoir lancer. Avant ça, on va donc lancer le générique. Hein, et à la suite de ce générique, eh bien, il y aura une petite mise en situation avant la présentation des personnages et de se lancer dans le vif du sujet. Alors, donc, générique, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà pour le générique. Alors, on va pouvoir commencer, désormais. J'espère qu'il vous a plu. Super. Très bien. Vous avez un petit indice quand même déjà sur l'écran sur où va se passer cette aventure, mais je vous mets quand même en situation.
Après le succès du lancement de la première franchise Ghostbusters à Atlanta, les créateurs ont décidé de renouveler l'expérience en ouvrant cette fois-ci le financement et la direction de la nouvelle agence à des investisseurs convaincus du potentiel de ce business. Et pour faire les choses bien, ainsi que s'ouvrir à une nouvelle zone géographique des États-Unis, ces investisseurs ont décidé d'ouvrir leur nouvelle agence de chasseurs de fantômes à Hollywood. Hollywood, la ville du cinéma. Des stars, mais aussi des mystères et des disparitions tragiques. La ville est réputée pour sa très forte activité parapsychologique et nombre de fans font le déplacement pour voir ces manifestations paranormales. Quoi qu'il en soit, au-delà de cette forte activité qui perturbe la ville et notamment les plateaux de tournage et qui justifie à elle seule la présence d'une agence, les nouveaux investisseurs ont également identifié un potentiel de chiffre d'affaires autour du tourisme macabre. L'agence pourrait tirer un profit non substantiel en proposant aux fans du monde entier de se retrouver en présence du fantôme de leur idole. L'équipe, formée depuis quelques temps déjà, est de retour d'une mission accomplie avec succès au cours de laquelle elle a pu capturer un fantôme de catégorie 2. À tour de rôle, vous allez pouvoir nous dire qui est votre personnage au travers de la description de cette capture et de la manière dont il ou elle a contribué ou non à cette mission. Et pour ce faire, eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par Mélie. Ah ouais ? Et ouais. Ah ouais ? Alors d'abord, excuse-moi. Voilà, le gloss, c'est indispensable. C'est parfait. Bah écoute, moi j'étais là avec les autres. Et je m'appelle Sixteen, mais ça je pense que vous le savez déjà. Et en fait, j'ai bien aimé la mise en scène. Il y avait des trucs cool, mais bon, j'y crois un peu moyen, quoi. Donc, pour que les gens puissent partager, tu vois, ma commu, ceux qu'on appelle les Sixters, pour qu'ils voient, moi, j'ai beaucoup filmé, en fait, tout ça, parce que je voyais que tout le monde gérait, quoi. Et à vrai dire, à un moment donné, quand il a fallu courir, j'ai mon talon, il s'est coincé dans un truc là, dans le sol là, il y avait un trou, tu vois. Donc j'ai été un peu coincée un moment, j'ai pris un peu de retard et quand je suis arrivée, ils avaient fini. Ils avaient déjà attrapé, voilà. Donc j'ai pas vraiment eu la fin, mais j'ai fait des belles images quand même. J'ai fait des belles images et alors là, j'ai cartonné. Hein. Alors là, tu peux dire que j'ai eu, mais alors un nombre de vues, si tu veux le savoir, tu vas le voir. Parfait, merci beaucoup. Donc si vous ne l'aviez pas compris, Sixteen c'est un peu la stagiaire de l'agence hein, qui est là par piston. Voilà. Ouais. On va juste dire ça et on va vous laisser la découvrir au fur et à mesure parce que c'est un personnage haut en couleur. Ouais. 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 Basile ou Bobby, devrais-je t'appeler, c'est à toi de nous en dire plus sur ton intervention. Bonsoir, je suis Bobby Lamb. Vous connaissez sûrement mon émission « Louons le Seigneur sur la route du paradis », émission de télé-évangéliste qui fait le succès des ondes depuis maintenant 20 ans. Évidemment, dans la situation, j'ai pu rassembler la puissance du Seigneur auprès de ses fidèles et encourager mes aventuriers, en restant prudemment derrière eux, à oxyre la menace pour la gloire de Jésus. De qui ? Parfait. Parfait, bien voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on n'y répondra pas. J'ai 50 ans et je ne l'ai fait évidemment pas. Grâce à la chirurgie et à l'amour du Seigneur. C'est parfait. Alors oui, effectivement, Bobby Lamb, pour vous en dire un peu plus, est un ancien télé-évangéliste, c'est ça ? Hein ? Qui a choisi d'investir. Voilà. Eh bien, on en vient à MJ Masqué ou Jordan ? Oui.
Eh bien, Jordan Jonathan est un Afro-Américain d'1m70, plutôt enrobé avec des lunettes, et il est écrivain. Il a écrit un bouquin il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Comment pécho un fantôme ?» lié à des intrigues et des investigations qu'il a menées durement dans des communications avec le mal pour certains. Et pour vous résumer un peu ce qui s'est passé lors de cet événement, à vrai dire, j'avais perdu mes lunettes. Et en fait, j'étais en train de les chercher, donc je rampais sur le sol comme ça, je voyais rien, je suis totalement myope. Et puis, au moment où je les ai récupérées, j'ai pu les mettre sur mon visage. Et là, j'ai vu Bobby et Sixtine. Alors l'autre, Sixtine, était en train de faire un live sur Instagram ou je sais pas quoi. Et Bobby en train de prier. Donc je me suis mis à paniquer et j'ai crié « Arrêtez vos conneries !» Et puis, j'ai sorti mon pack à protons et puis j'ai coordonné toute l'équipe. Et grâce à moi, voilà. Voilà, c'est souvent comme ça, à vrai dire, mais voilà, c'est à peu près ça qui s'est passé. Parfait. Parfait, très bien. Eh bien, Jordan Jonathan, ou Jonathan Jordan, on sait jamais dans quel sens exactement, même si c'est écrit Gigi, sur ses livres. Gigi. Ouais, moi je l'appelle Jojo, mais Gigi ça marche aussi. Jojo, c'est pas mal aussi. Gigi, qui est donc un écrivain à succès. L'avenir nous dira si c'était par erreur ou pas. Bref. Si on prend en compte que c'est un milieu assez niche tout de même, on peut très clairement me considérer comme le nouveau Tolkien, hein, très sincèrement. C'est qui celui-là ? C'est l'équivalent de Kim Kardashian, mais du libre. Et enfin, Big B alias Mitchell. Oui, bonjour, Michel Durand. Moi, j'ai vécu pendant longtemps, j'ai travaillé seul dans un cimetière. Alors, je suis ravie de travailler en équipe aujourd'hui. Une équipe, ma foi, très éclectique, mais avec qui je prends beaucoup de plaisir à travailler. Je suis un peu le couteau suisse de l'histoire. Moi, ce que je sais faire, c'est réparer, bidouiller. Donc, je compte sur les compétences de mes pairs pour qu'on puisse arriver à faire quelque chose, puisque, en effet, j'ai perdu mon travail récemment. Et je suis actuellement en train de découvrir ce nouveau métier-là. Merci. Parfait. Eh bien, maintenant que vous avez fait connaissance avec tous ces protagonistes, qui... C'est encore un peu flou, je ne sais pas trop d'ailleurs qui a véritablement chopé le fantôme. Hein, dans vos dires, c'est quand même pas très clair. ça a l'air d'être Jordan. Ouais. Jésus avant tout. Ok, d'accord, très bien. Ça doit être un fantôme qui traîne parce qu'il en parle tout le temps, mais franchement, on l'a jamais vu. Alors, vraiment. Techniquement, c'est possible. Étant donné qu'il est mort, il pourrait très bien se réincarner en fantôme, Jésus. Mais ce serait forcément un fantôme de type 5, au minimum, je pense. Alors, pour toi, être un fantôme, c'est de la réincarnation ? En fait, ça passe par différents stades. Il y a plusieurs choses. On n'a pas encore défini très clairement comment la réincarnation ou l'évocation ou la transformation, l'aspect vraiment fantasmographique de la chose, hein, pourrait arriver. Mais à vrai dire, de manière générale, on a trouvé plusieurs thèses qui pourraient tenir et approuver. Jojo, ouais. Trop de mots là. T'as dit trop de mots d'un coup. J'arrive pas à suivre. Elle a pas tort, Bichette. Elle a pas tort. Ah bah, vous me posez des questions. Si je peux pas répondre aussi. Mais non, mais tu sais jamais faire une réponse simple. Trop de mots, trop compliqué, c'est logique en fait, tu vois. Pas beaucoup de mots, c'est simple, on comprend. Logique. Ok ? Elle marque un point. Elle marque un point. Elle marque un point. Elle marque un point, elle. Et moi, je dois... Bah, ok, vas-y, bah, c'est bon. Ok. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué, souvent, ce que tu nous dis là. Je doute pas que ce soit intéressant, mais c'est pas évident. On a besoin d'un peu plus de simplicité pour communiquer. Les filles, vous savez... Prenez les paraboles, Jordan. Dans la Bible, écriture simple, c'est imagé, tout le monde comprend. Et ça propage la parole du Seigneur. Une parabole, tu veux dire le truc qui fait qu'on a la télé ou l'internet chez soi ? Je la Bible ? Bref, à ce moment-là, le téléphone sonne. Bah, j'ai pas à répondre. Attends, moi ça sonne pas sur le mien, hein. Je réponds pas. Vous dites que je parle trop, il faut que je réponde au téléphone en plus. Soulez. Justement, profitez-en, vas-y. J'y vais, c'est bon. Lâche, donne tout ce que t'as à donner. Allô ? Ghostbusters, bonjour. Ah oui, bonjour. Oui, je suis bien chez les Ghostbusters, agence d'Hollywood. Vous êtes bien à l'agence d'Hollywood. Ah, d'accord, très bien. Kelly Hudson, assistante de production au studio Universal.
nous aurions besoin de votre présence dès cet après-midi. Mais non. Arrêtez vos conneries. Vous voulez adapter mon livre ? Non, mais racontez pas n'importe quoi. On a une histoire de paranormal, de fantôme, enfin de votre truc, quoi, votre livre. Ah, d'accord, oui. Enfin, rien à voir avec mon livre, du coup. Non, rien à voir. Non. D'ailleurs, je connais pas votre livre. C'est quoi votre livre ? Comment pêcher un fantôme de J.J. Jordan Jonathan. Je fais un jet pour savoir si elle le connaît. Non, je connais pas. Ok, ok. Et vous avez quelle heure de rendez-vous ? Bah, au plus tôt. Enfin, un tournage qui est perturbé, quoi. Ok, on arrive. On va venir vite, très rapidement. Bien. C'est quoi votre nom déjà ? Hudson. Kelly Hudson. Kelly Hudson, ok. Présentez-vous à la grille, à l'entrée, au gardien. Vous dites que vous venez pour le studio 52. Voilà, le problème qu'il y a dans le studio 52. Et ils vous amèneront jusqu'au studio. Ça marche. Bisous. Merde. Bon, je raccroche. Elle a raccroché avant toi. La gênance est gênée. Tu peux rigoler, ils ont appelé parce qu'ils voulaient adapter mon livre, donc pas de poète, ok ? Ouais, enfin t'as dit bisous à la fin, je pense c'est mort. Parce qu'on est extrêmement proches, elle et moi. Tu t'as jamais dit bisous à... Je sais pas, t'as pas de petit copain, toi ? Jordan, du travail... C'est ta petite copine qui t'a appelé ? Non, c'est une connaissance, mais on fait... Des fois, on s'est déjà vu sur Jordan, des s'il vous plaît. Oui. Nos investissements doivent fructifier, parce que nous avons une mission. Totalement, nous avons une fructification là tout de suite. Parfait. Les investisseurs sont impatients, mettons-nous au travail. Nous devons aller aux locaux d'Universal, comme je vous disais. Une certaine Kelly Hudson rencontre des difficultés de tournage. Et heureusement, on va aller là-bas, on va faire forte impression et ils vont adapter mon livre. Et ça, c'est une bonne idée, parfait. Si vous êtes d'accord. On y va quand ? Tout de suite. Non, parce que t'as vu, c'est l'heure du déjeuner, là. Ben, on va acheter. Et moi, j'ai commandé mes vegetables qui vont arriver dans leur boîte fraîche. Ils vont arriver là, voiture. Bah, ils arrivent dans une demi-heure. Il y aura sûrement un catering au studio, Sissine. En plus, c'est notre cœur de cible, des investisseurs, des clients fortunés. C'est exactement dans le business plan. Alors, je vous prie, est-ce qu'il y aura des brocolis ? Pour en faire bon à l'église, bien évidemment, il est important de collecter. Des brocolis, oui, sûrement des brocolis, des navets, souvent à Universal aussi. Ah, ok. Ouais. Mais là, n'importe quoi. Les acteurs, ils mangent des sandwichs. Hein. Je suis au courant, j'ai déjà vu ça. Attendez, vous mettez d'accord parce que là, sinon, je fais appel à la commu. Parce que j'ai besoin de savoir, quoi. Ah, bah, tu fais appel à la commu dans la voiture. Ah, mais c'est sûr. Il y aura des panés, des brocolis. Tous les légumes verts, il y en a, c'est sûr et certain. Mitchell, vous avez bien fait la vidange de Lecto One ? Évidemment, bien sûr. Eh bien, en route alors. Ne perdons pas de temps. Et vous faites votre commande Uber, Deliveroo, je sais pas quoi, en route. Vous indiquerez les studios, vous verrez. Ça fera classe dans vos statistiques. Ouais, d'accord. Eh ben, on y va. Très bien, parfait. Eh bien, après avoir convaincu, donc, Sixtine, et préparé vos affaires, vous avez chargé Lecto One, qui était déjà chargé, parce qu'au final, vous ne l'aviez pas déchargé de la mission d'avant. Vous partez... en direction des studios d'Universal, avec toujours le fantôme catégorie 2 d'ailleurs dans une des prisons de la voiture. Il n'a pas été rangé. Il n'avait pas eu le temps. c'est la faute à Félix. C'est lui, il doit ranger les trucs, non ? Vous arrivez finalement donc au studio d'Universal. Une grande entrée, vraiment très impressionnante. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. Il y a une espèce de grands frontons avec écrit Universal Studio et un grand portail en dessous, et vous arrivez au niveau de la sécurité qui vous arrête. Bonjour. Et pourquoi ? Les visites, c'est le dimanche. Je donne un coup de coude à Bobby pour qu'il parle. Bonjour mon brave, je suis Bobby Lamb. Vous me connaissez sûrement pour mon émission télé, mais nous sommes surtout là en mission pour vous délivrer du mal et vous apporter la bonne parole. On nous a indiqué que le démon avait frappé au studio 52. Ah. C'est Madame Hudson qui nous a fait signer. Oui, le studio 52. Du coup de Big. Vous pouvez rentrer. Le gardien, vieux gardien, là, il va vous amener. Bon, c'est le plus vieux de la case.
Vous avez un vieux gardien, effectivement, qui vous accueille. Ah, alors. Eh ben, parfait. Vous venez pour le studio 52, c'est ça? Oui. Exactement. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bon. Eh ben, suivez-moi. Et là, on marche et je dis un cousin à toi, Mitch. Oh, écoutez, je ne sais pas, je le connais pas. Après, je connais pas tous mes cousins, j'avoue. Je connais pas ce monsieur. Je ne sais pas. Peut-être des Durand dans la famille hein. Est-ce que vous connaissez Caroline? Caroline Durand? Non, moi, je m'appelle Monsieur Thompson. D'accord, enfin, alors je ne sais pas. Eddie Thompson. Bah, chanté, Eddie. Merci, bah, enchanté également. Bon, votre matos, il rentrera dans la golfette, là, pour se balader dans le studio? Oh, je pense. On va trouver où on y arrive toujours, hein, vous savez. On peut pas venir avec la voiture, là. C'est une intervention quand même un peu... Écoutez, moi, ça m'embête de laisser rentrer votre voiture. Mais ça vous embête pas qu'il y ait des fantômes dans les studios, par exemple? On a besoin du matos pour alors, travailler. On pourra en parler sur la route, mais non. Quoi? Moi, ça me dérange pas. Bobby, après, là, ce qui m'embête, c'est que le sol, là, que vous voyez, on l'a lustré exprès pour une scène qui va avoir lieu dans 2 heures. Du coup, on peut pas faire passer des pneus dessus. C'est malheureux, mon cher Mr. Thompson, mais êtes-vous en train de me dire que vous mettez face à la volonté du Seigneur? Mais c'est pour ça que je vous propose de grimper dans la golfette, parce qu'elle, elle va pas faire de traces. Bon, écoutez, moi, je commence à charger la golfette. Je vous aide. Je sors un calepin et je lui tiens. Pendant qu'il charge, je me mets en live un studio cinéma. Mais non, mais mon père m'aura tout fait. Hein. Il veut tellement que je croie à ces histoires de fantômes qu'il met vraiment les grands moyens pour faire les mises en scène. Bon, allez, en route, t'es grimpe ou pas? Je vous tiens au courant, à tout à l'heure. Ça va vous coûter plus cher une intervention sans véhicule. Hein. Je l'ai stipulé sur la note. Hein. Mm. Tout à fait. On majore les allers-retours éventuels. Et oui, la non-surveillance du matériel, ça fait des primes d'assurance. Oui, bah vous adresserez ça à l'assistante de production. J'ai mis votre nom, hein, parce que c'est à votre faute un peu quand même. Hein? Oui, bah vous adresserez ça à l'assistante de production. C'est vous qui partez du coup dans la golfette. Et vous arrivez donc au studio 52. Au passage, il vous parle un peu. Il vous dit, hein, vous savez... Les studios d'Universal, ils en ont connu de belles, hein. Il y a des fantômes un peu partout. La nuit, ça grouille là-dedans. Et au travers de toutes ces petites discussions, au bout de bien 10-15 minutes de transport jusqu'au studio, vous arrivez devant un gros 52 affiché sur un mur blanc. Oui, voilà, vous y êtes. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le... chef d'œuvre qui est en cours de tournage dans ce studio, mon cher Monsieur Thompson? Un film, je crois qu'il s'appelle Recall. Recall. Voilà. Vous savez, comme un le film rappel. Total. Oui, c'est peut-être le sponsor du film Total, oui. Ils sont peut-être sponsorisés par Total, c'est possible. Est-ce que le héros est d'origine autrichienne, l'acteur que vous avez casté? On sait rien. Ça m'aurait rappelé un petit film que j'avais apprécié dans ma jeunesse. Non, je crois que c'est un Américain. Ah bon. Voilà. Ça remonte alors, hein, dans ta jeunesse. Ça doit pas l'être hier. Hein. Écoutez, mais qu'est-ce que vous racontez? Il est jeune comme tous, garçon. Cet acteur a été sénateur de Californie, s'il vous plaît. Trop vite. Alors non, c'est pas cet acteur-là. Ah, grand Dieu, zut. J'essaie de toucher le concierge pour voir s'il est réel. Hé, t'as regardé l'épisode précédent, toi? Oui, il est réel. Tu peux le toucher, ça marche. Ok. Et pourquoi vous me poquez comme ça? Vous avez une question? Non, c'est les protocoles, monsieur. Ah bon, d'accord. Oui. Bon. Eh ben, bonne journée. Et il redémarre avec la golfette à toute vitesse et il repart dans l'autre sens. Après que vous ayez déballé le matériel, évidemment. C'est pas très poli. Mais il revient nous chercher quoi, en fait hein. Il a pas dit. C'est qui notre contact, alors, ici? C'est qui? Kelly Hudson, Sexine. Kelly. Mais attends, toi, tu crois vraiment pas aux fantômes, là?
Je sais pertinemment que tout ça, c'est une grosse blague de mon papa parce qu'il a envie de me secouer un peu. J'espère qu'il va vite, comprendre qu'il est en train de perdre ses sous là. C'est ridicule. Elle se protège, Joe. Elle se raconte les histoires pour se protéger. Mais... tu sais, je faisais pareil à son âge, tu sais tout. On oublie vite. Hein, mais elle fait pas exprès. C'est pour de vrai. C'est de l'autoprotection. Ne t'inquiète pas. Ouais. J'ai vu ça dans un livre. S'occupe. Oui. Oui. Vous voyez une jeune femme sortir du studio avec un tas de paperasse sous les bras. Elle a un téléphone coincé là. Il fait oui, bah écoute, j'ai autre chose à gérer. Hein. Bon, ils sont où les quatre clampins là que tu m'as envoyé? Oula, ils sont là. D'accord. Là. Ok. Bon, je te rappelle. Oui. Bonjour. Je lui crache mon chewing-gum dessus. Voir si ça la traverse ou pas. Enchanté. Chanté, excusez-moi, protocole. Eh ben, la première impression est souvent la bonne. Chanté, Michel Clampen de l'agence. L'agence, oui, j'attends. Vous avez appelé ? Parfait, voilà, Ghostbuster, c'est ça que je voulais m'assurer. Très bien. Bienvenue au studio 52. J'ai pas beaucoup de temps. Alors, le principe que je vous explique, voilà, le film qu'on tourne, c'est Recall. Il est engagé depuis près de 5 ans. Je sais pas si vous avez vu, il y a la bande-annonce qui est sortie il y a pas très longtemps. Enfin, une pré-bande-annonce, un teaser, quoi. Le tournage, là, il va falloir qu'il termine parce que ça fait déjà 2 mois qu'on est dessus. Ça commence à bien faire, il y a des problèmes dans tous les sens. On a déjà 3 acteurs qui ont abandonné. Donc on compte sur vous pour trouver la solution, là, pour trouver ce qui s'est passé et nous chasser ce fantôme de Alanois. Voilà. Vous avez des faits ? Des faits. C'est-à-dire, oui, on peut vous dire, il s'est passé des choses étranges, des disparitions d'objets, dysfonctionnements d'appareils, des accidents. Il va me falloir une liste de tous les objets qui ont disparu. Je veux rencontrer toutes les personnes qui ont eu des accidents et je veux aussi voir le chef. Ouais, bien sûr, tenez. Elle vous donne une fiche avec tout décrit dedans. Bon, c'est bon, vous avez tout ce qu'il faut ? Bah non, parce que bon, des trucs qui disparaissent, des trucs qui bougent, ça va, hein, les effets spéciaux dans un studio de cinéma. Vous avez vu des apparitions ? Écoutez, il y a parmi les acteurs qui sont partis des témoignages un peu bizarres de bruits inexpliqués, de gens qui ont eu peur, enfin voilà, un peu hystérique, mais bon. Ouais. Et madame, vous avez fait appel au meilleur. Parfait, la technologie, voilà, c'est tout ce que je voulais et savoir. Jésus sont avec nous. Eh bien, si l'entrée c'est par ici. Voilà, elle t'écoute absolument pas, elle t'ouvre la porte, c'est bon, c'est par là, suivez-moi. Très bien. Mitch ? Oui. Je crois qu'on a un gros problème là. Tu sais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que 5 et 2, ça fait 7. Ok. Et 7, chez les Incas, c'est le chiffre des fantômes. D'accord. Et donc, du coup... techniquement, si c'est un fantôme Inca, là, on est foutu. Tu penses ? Les Incas sont plus difficiles à attraper que les fantômes américains ? Franchement, c'est sûr et certain. Un fantôme Inca, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est en début de repas ? On va mettre la main à la pâte, du coup, si on a besoin d'être... Bon, vous faites quoi, là ? On arrive. Oui, je t'ai dit, je te rappelais. Oh. Elle est super désagréable, hein. Elle doit être stressée par son travail. Attends, moi, je touche la patte de personne. Jordan, coché sur la facture. Interaction désagréable. Je coche. Interaction désagréable. $200. Ouais. Et en plus, on n'a même pas eu d'apéritif. Alors ça, c'est inadmissible. Vous rentrez dans la fin, la petite. Ils sont où, les vegetables ? Mais justement, vous rentrez dans le studio. Vous passez un couloir, vous suivez donc Mademoiselle Hudson, pardon, pas Thompson, jusqu'à le plateau de tournage et sur le chemin, vous voyez l'endroit dédié au catering. Elle s'arrête absolument pas pour vous proposer de vous servir et vous voyez que bon déjà les gens se sont déjà bien servis dans le catering et il reste des cheeseburgers. Pas l'air forcément d'être de la top qualité et un peu de fromage. Super, tes cheeseburgers. Je commence à les manger. Trop bien. moi aussi, je m'arrête, mais je suis là. Tu sais, je le prends, puis je le lâche bout par bout. Tu sais, genre. On était bien mieux fournis chez Christian TV. Oh, c'est gratuit, ça marche bien.
Franchement, c'est pas même mal. Même s'il y avait un peu trop de pain azyme à mon goût, les hosties, ça donnait soif. Mais quand même, nous, on avait au moins du bourbon. Qu'est-ce qui se passe ici? Je claque des doigts. Kelly, ils sont où les brocolis? Oui, quoi? Non, mais vous êtes pas là pour bouffer, vous êtes là pour bosser. C'est quoi cette arnaque, là? Faut prendre des forces face au mal. Non, mais ça, c'est pour les gens de l'équipe. C'est pour ceux qui bossent, là. Et donc, nous, déjà... on est venus pour faire quoi? Oui, bah déjà bosser, et on verra après. Sans nous, il n'y a pas d'équipe. Attends, je fais juste... Je la prends en photo. Alors, toi... J'espère que cette photo vous plaît. Bien, on peut avancer maintenant? Bien sûr. Oui. Jordan, sortez le mesureur d'énergie psychokinétique, s'il vous plaît. Totalement, avec plaisir. Grâce à ça, on va pouvoir capter les perturbations. C'est un capteur de perturbations. C'est extrêmement pratique. Faites-y attention, il n'est plus sous garantie depuis hier. Je peux te dire que la Kelly, là, elle va faire de la perturbation sur Insta. Vous rentrez sur le plateau de tournage et vous voyez qu'il y a actuellement donc une scène en train de tourner. Et Kelly vous dit, chut, alors du coup, restez là le temps que la scène se finisse et après on pourra aller voir le réalisateur. Vous observez. On va vraiment rester là, rien foutre. Je sais pas, ouais, je pense que s'il y a un fantôme Inca ici, il va peut-être laisser des traces sur les murs ou un truc comme ça. Ouais, j'aime bien les hiéroglyphes et trucs comme ça. Avec le buffet ouvert, c'est nous qui allons laisser des traces sur les murs, je te le dis, Monjo. Ouais. Ah oui? Ah, je pense. Tu penses? Ah, je pense. Ok. Bah, faut pas toucher les murs alors. D'accord, j'essaye. Pour pas cacher les traces des fantômes. J'essaye. Moi, j'essaie de m'approcher pour filmer la scène qui est en train d'être filmée. Et avec mon... je me prends... Parce que j'ai des grosses chaussures avec des grosses semelles compensées, comme ça. Et en fait, je sais pas, je lève pas bien les pieds. Je crois que je me prends les pieds dans un fil. Et que alors, je tombe, non? Du coup, pour décrire la scène, avec ce que tu dis, eh bien, vous observiez d'ailleurs une scène qui... censé être apparemment une scène pleine d'émotions, mais bon, force est de constater que ça a pas l'air de trop marcher au niveau de l'émotion. Au niveau de l'équipe qui regarde ça, ils sont un peu en train de regarder leur montre et se dire ça craint un peu. Et là, toi, tu te prends les pieds dans un câble, c'est tu pas tombes rangé par terre, ça fait un gros patatras et t'entends le réalisateur qui se retourne. Enfin, tu vois le réalisateur qui se retourne, il fait « Coupé !» Qu'est-ce que c'est que ça? Qui m'a mis des empotés dans le studio? Empoté, t'as qu'à ranger ton bordel, hein. Excuse-moi, mais on peut pas dire que ce soit très clean autour de nous, hein. Je cours pour lui, il m'a fait arrêter de parler, là. Il te fusille. Moi, j'y vais pour l'aider à la relever. Mais genre, t'as jamais vu, même ton père, quand il t'engueule, t'as jamais vu quelqu'un fusiller du regard comme ça. Ah non, attendez, c'est pas... Elle est autiste, c'est pas ce que vous croyez, d'accord? Il se retourne de vous, il se tourne vers la scène, il fait « Non, 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 ça ne marche pas, émotion, il y avait de l'émotion, ah, c'est plat, c'est mou, c'est nul, on recommence !» Et t'as Kelly qui vient de l'interrompre, qui fait, elle vient lui parler un petit peu à l'oreille et il fait « Allez, non, fin pour aujourd'hui, on reprendra demain !» Et travaillez-moi ces émotions. Et il se retourne vers vous. Décidément, hein. À part les 10 commandements et la passion du Christ, il n'y a pas grand-chose qui vaut le coup d'œil à Hollywood. Hein. Ça n'a pas changé. Il vient vers vous et il dit « Clara, c'est quoi ça? Qui sont ces gens et pourquoi tu m'interromps ?» Moi, c'est Kelly. Ce sont les personnes que les producteurs ont demandé de faire intervenir pour, vous savez, enquêter sur les phénomènes qui entourent le plateau. Ah oui, oui. Mais qu'ils fassent vite. On ne veut pas qu'ils perturbent le tournage. Hein. Et là, il y a un bip du détecteur psychokinétique. Et c'est quoi ce bruit-là? Éteignez-moi ça. Ça va perturber les caméras. Oh, tu la fermes là, c'est très important ce qui se passe. On a une connexion, ok? Donc là, je veux plus t'entendre. Que tout le monde se taise, personne ne bouge. Si c'est un fantôme Inca, je vais pleurer, putain. Je vais chialer. C'est pas vrai. Et moi, je m'approche de Bobby et je lui dis
T'as pas dû voir les Fast and Furious parce que franchement, ils sont super cool. C'est vrai que Denis Toretto a un très beau crucifix, très belle croix à la poitrine. J'ai racheté la même aux enchères, celle du 2. Elle est chez moi. Les gars, il y a un fantôme là, bordel. Alors, ça, du ça coup, t'as le réalisateur qui fait pouf et qui s'en va. Du coup, qui vous laisse au milieu du plateau où tout le monde commence à ranger et à faire en sorte que les choses soient prêtes pour le lendemain, pour le tournage le lendemain. Écoutez, les plateaux, ça me connaît, alors il va falloir travailler avec méthode. On a les éclairages en haut comme source potentielle. On doit visiter l'arrière des décors. Attention, Sixtine, à vous prendre les pieds dans les câbles. Il y a du haut voltage. Ouais. Ensuite, on regardera la scène en elle-même. S'il n'y a rien, la loge des accessoiristes. Ensuite, la loge des scénaristes. Ensuite, la loge du maquillage. Peut-être que je demanderai un petit coup de... Eh, on peut pas faire une chose après l'autre, là, parce que tu nous dis tout, si, c'est pareil, on a dit exactement ce que je vous dis, l'une après l'autre. Très bonne vous idée. Vous voyez Kelly qui s'affaire à côté sur différentes choses. Dans la liste qu'elle t'a remis, Jordan, tu as un certain nombre d'informations, notamment sur les disparitions de matériel. Tu vois que c'est le chef opérateur Bernie qui semble avoir déclaré cette absence de matériel. D'accord. Et tu vois que Kelly est celle qui a reçu les différents dires des acteurs qui ont quitté le plateau, ainsi que les différents incidents qu'il y a pu y avoir. C'est elle qui les a notés dans cette liste-là. Mmh. Ok. Bobby, je pense qu'on va mettre en application ton super plan et on va au passage essayer de trouver Bernie. C'était le chef opérateur qui a perdu les objets. Donc je propose qu'on fasse une formation en triangle à 3 et qu'on a... Bernie ! Y a un Bernie ? Ouais et... Attendez 2 secondes. Il descend. Ah ben... Il était au niveau des coursives. Sixtine, qu'est-ce que tu fais ? T'as dit fallait trouver Bernie. Mais non, mais là tu fais partir mon fantôme là. Là il va partir maintenant à cause de toi. Bip. Bah tu vois, c'est parce qu'en fait il y avait pas de fantôme. Mais ça a fait bip là. Je te mets vraiment sous le nez, tu sais. Tu vois pas ça là. Y a quoi dans ta tête? C'est pas possible. Mais là, c'est le bip, c'est reste des trucs régulier. Tu sais, à peu près toutes les 30 secondes t'as un bip quoi. Là regarde. Ouais. Mitch, vous avez quand même vérifié l'appareil, parce que la dernière fois Jordan l'a fait tomber, possible que ça bip pour rien. Ah non, j'ai tout vérifié, tout va bien, l'appareil est vraiment fonctionnel. Moi qui suis maladroit. Vous êtes vraiment employé modèle, vous aurez peut-être une prime. Eh bien avec plaisir, évidemment. Ah parce que vous êtes payé pour faire ça? Ben évidemment. Ben parce que nous on croit aux fantômes. La passion ça paye pas le loyer, Sixtine. Hein. Non mais... Bon, moi, alors, mon papa, qui c'est qui m'appelait? C'est vous. Bonjour, Bernie. Salut. Enchanté. Salut, Bernie. Qu'est-ce que ils je veulent te voir, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils veulent te voir, je sais pas pourquoi. Pourquoi elle tutoie celle-là? Je la connais pas. On la connaît pas non plus. Bon, elle a pas les codes. Est-ce qu'elle a une combinaison Ghostbusters Sixtine ou pas? Non. Nowhere. Bon, c'est parfait alors. On la connaît pas. Ce n'est pas ma silhouette. alors. Mais j'ai un badge. Je retire le badge. Oui, elle a eu un badge. Bon, Sixtine, s'il te plaît, concentre-toi, ok? On doit... Oui, non, mais il faut pas que tu sois agressive avec nos clients, là. Tu sais quoi? S'il y a un fantôme, je vais le voir avec ça. Je vais faire des images. Et là, elle part et elle commence à essayer de filmer un peu tout le studio. Super. Ok. Monsieur Bernie, je vous présente notre chef. On te prendra à part, du coup, une fois qu'on aura fait la scène avec Bernie. Ok. Je présente le chef, il s'appelle Bobby. Voilà. Et ici, bonjour. C'est Mitch. C'est notre couteau suisse de l'opération. Ah, belle moustache. Merci. J'admire. Peut-être, effectivement, vous avez beaucoup de choses à vous dire. Cher Mitch, peut-être que vous avez peut-être plus les codes pour poser des questions. Oui, à bien notre sûr, cher bien monsieur. Sûr. Au niveau des appareils techniques, est-ce que vous avez rencontré des dysfonctionnements inhabituels? Oui, effectivement. Oui. Alors, bon. Outre les outils qui disparaissent, on les pose à un endroit, ils disparaissent l'instant d'après, on les retrouve ailleurs, enfin bon, des choses comme ça. On a les poursuites qui font un peu qu'à leur tête de temps en temps, je sais pas pourquoi. Elles saluent quand on leur demande pas, elles se déplacent sur le train sans qu'on leur demande, enfin bon, voilà. Je sors mon petit calepin, je note.
Ça c'est une des choses embêtantes. Après bon, il est arrivé également qu'on ait des caméras qui s'arrêtent de manière inexpliquée, des bobines pleines alors que on les a à peine changées, des batteries qui tombent en rade alors qu'elles étaient tout juste chargées. Enfin voilà, comment ça bien faire quoi. D'accord. Au niveau de la localisation, est-ce qu'il y a un endroit où ces manifestations arrivent plus souvent peut-être? Le studio. Tout le studio entier. Enfin, le plateau de tournage, plutôt. Voilà. D'accord. Après, je m'occupe pas de la partie des loges, mais je sais qu'il y a 2-3 personnes qui ont cité des lampes un peu défaillantes. Alors, bon, si ça se trouve, c'est qu'une baisse de tension. Hein. Bon, pas de quoi alarmer un chat, quoi. Pas ça, si c'est récurrent, quand même, il faut jeter un œil à tout ça. Vous avez fait vérifier un peu, voir si ça fonctionnait bien Ah bah, oui. Plutôt ouais. 2 fois qu'une. Je suis allé voir le réparateur... studio, là, la maintenance quoi, et puis les gars sont formels, niveau électronique, y a pas de problème quoi. Alors et vous avez appelé les bonnes personnes. Et détrompez-vous hein, vous trompez dans ce que vous dites. Ah bon? Dites-moi. Les chats sont de très bonnes alarmes à fantômes. Ah! Y a pas de quoi alerter un chat, vous avez dit. Ah bah, peut-être qu'on devrait avoir des chats sur le plateau. Totalement, c'est une bonne idée. Très bonne idée ça. Mais avez-vous prié notre Seigneur Jésus-Christ? Chaque jour que Dieu fait. Ah, parfait. Il se tourne vers Jordan. L'instrument de sa volonté. Il se tourne vers Jordan. Il fait, c'était la bonne réponse. Ouais, c'est très bien. Vous êtes sorti comme un chef là. Vous avez vécu une certaine romance avec quelqu'un il y a pas longtemps. Je suis marié. Mais de manière fusionnelle, genre très 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 amoureux. Oh, bah alors on a 2 enfants donc. Mais elle est morte ou elle est vivante? Non, elle est vivante. Mais pourquoi vous racontez ça alors? Ça sert à quoi? Bah non, mais votre question est étrange, vous devez avouer quand même. Les fantômes, j'ai remarqué par mon expérience personnelle, sont très attachés à des relations fusionnelles et avec des connexions émotionnelles et toutes sortes de choses qui finissent en L. Vous m'en direz tant. Mais j'espère jamais hors des liens sacrés du mariage. Non, c'est marié. Jamais. Jamais. Ah non, non, surtout pas. La bonne heure. Autre chose, dans les incidents aussi qu'on a déplorés, un jour il y a même une poursuite qui s'est détachée et qui a bien failli atterrir sur la tête de Sandy. Ok. Sandy, qui est L'actrice du rôle secondaire. C'est celle qui incarne Mina. Et elle est dans les parages? Sandy, non, je crois qu'aujourd'hui elle ne tournait pas. Détachée, vous dites? Oui, décrochée, elle est tombée. Voilà. Comment est-ce que vous l'écrivez? D-E-T-A-C-H-E-R. E-R ou détachée E? C'est très important. Ouais, vous savez, j'ai jamais été très bon sur ce. J'en étais sûr. Détaché, il y a 7 lettres, Mitch. 7, comme 5 et 2, les Incas. Je t'avais dit quoi? Mais je vais finir par te croire, Jojo. Je vais finir par te croire, Jojo. Bon. Tiens, quelque chose. Oui, aussi, le réalisateur, Monsieur Scapelli, il est très à cran aussi, depuis le. J'avais déjà travaillé avec lui par le passé. Et il était beaucoup plus avenant. Là, bon, c'est certainement la taille du projet et les retards qui font ça, mais il est devenu quelque peu irrité, irritable, irascible. Enfin, vous voulez que je vous les épelle aussi ou comment ça se passe? Non, mais Scapelli, 7 lettres, ça colle, tout coordonne. Il y a 2 L, Scapelli. Justement, 7. D'accord. Prénom Antonio, si jamais. J'y crois pas. Antonio, comme Antoniano, le dernier prince Inca. Oui, bien. Moi je retourne bricoler là-haut si jamais vous avez besoin de moi. Faites dans ça. Voilà. Et merci bien. Et bah, de vous rien. Êtes bien aimable. Mon cher Jordan, vous m'avez l'air très expert sur tout ce qui est numérotation, tout ça. Si jamais vous percevez 3-6, vous nous prenez d'urgence. Tu vois que je transpire un petit peu. Là, pour l'instant, il repère que des 7, alors.
Sixtine. Faire un fantôme inca que la bête Belzébuth. Sixtine, tu arrives, toi, du côté Catherine, loge, etc. Tu fais un peu le tour. Tu vois qu'il y a un peu d'activité dans ce coin-là, donc tu te balades un peu. Et tu arrives au niveau de la loge qui semble être la loge du réalisateur. Où il a l'air d'être en train de rassembler ses affaires. Tu vois d'ailleurs un cahier sur le bureau dans sa loge avec écrit Recall dessus. Un cahier avec la couverture rouge avec écrit Recall. Et il prend ce cahier, il le fourre dans son sac et... Il prend son sac et il part, il fait ah. Encore vous ? Pardon, encore vous ? Ah, poussez-vous. Oh, tranquille ! Ouais, je fais mon enquête. Non, il n'y a pas de temps à perdre avec ça. Bah, attends, je te prends en photo, voir s'il y a quelqu'un à côté de toi. Je le prends en photo. Il va faire gros fuck sur la photo. Ouais, ouais, mais... Et est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de lui ? Est-ce que je vois quelque chose sur la photo ? T'as une espèce de t'as une espèce de fumée derrière. Dans un premier temps, tu te dis « Waouh, il y a un truc !» Et puis après, tu regardes, en fait, il y a une machine à fumer qui fait un « derrière. C'est vachement bien fait, les effets spéciaux dans votre studio. Hein. On a bon, pas allez, ça au cinéma, ma petite. Ouais, à moi, vous pouvez le dire. C'est mon père qui vous a engagé. Vous êtes en train de faire tout ça là pour me faire peur, c'est ça ? Votre père qui est ? Ford. Ah. Oui. Ah, Ford. Prénom. Il y a beaucoup de Ford. Vous savez, Henry Ford, par exemple. Ou, Le plus grand de tous les Ford. Edward Ford. Mais oui. Ah. Eh bien, mes excuses, mais j'ai autre chose à faire. Au revoir. Ouais, bah, de toute manière, je finirai bien par le savoir. Et je continue. Et je rentre dans sa loge, du coup. Ouais, tu rentres dans sa loge. Je continue à regarder, ouais. Tu regardes un peu, tu fais quoi ? Tu fouilles vraiment ou Au début, je passe comme ça avec l'image pour filmer, voir si je vois quelque chose de bizarre. Et puis ouais, après, je pense qu'elle a un petit si elle voit des vêtements avec des poches ou des sacs ou des trucs, je pense qu'elle a un petit tempérament un peu fouineuse, ouais. Ok, d'accord. Elle est persuadée qu'elle va trouver un contrat, que c'est son père qui l'a engagé. Fais-moi un test de physique. Oui, un premier dé. Attendez, parce qu'il y a plein de sucre dans ma piste à dé. Ça va pas du tout. Je suis sûr qu'elle va faire 7. Alors là, si je fais 7, on est sûr que c'est un fantôme. C'est vraiment un signe. Tu m'as dit de physique ? Physique, ouais. Et donc en physique, oh, j'ai moins de... C'est plus par rapport à un événement qui se passe. Donc il faut que je... Peu importe, je fais, c'est le résultat de mon dé, plus moins 2, c'est ça ? Moins 2, ouais. Moins 2. Eh ben, j'ai 13 moins 2. Ok. Tu ne te casses pas la gueule, mais tu sens que t'as un truc un peu visqueux sous le pied. Ben, je regarde. C'est... Ça a l'air d'être une espèce de gélatine. Un peu translucide. Légèrement verdâtre. Oh, dégueu. Qu'est-ce qu'il fait, le mec ? Il est trop crade, quoi. C'est vraiment dans un coin de la pièce sous le... Sous l'ouverture du placard. Oh ! Sous l'ouverture du placard ? Bah, j'ouvre le placard pour voir ce qui est dégueu dedans. Ouais, ok. Et... y a un porte-manteau qui tombe un peu dessus, mais c'est tout. Oh ! Putain, mais vraiment, ils savent pas ranger ici, n'importe quoi. Bon, je fais une photo quand même de ce truc gluant vert dégueu. Ok. Et je retourne voir les camarades, voir s'ils ont fini avec Bernie. Eh bien, pendant ce temps-là, vous autres, maintenant que Bernie est parti, qu'est-ce que vous faites ? Et il y a Sixtine qui vous rejoint, effectivement. Bon, si c'est un fantôme, un cas, il devrait se manifester très bientôt. Pour le moment, la manifestation la plus violente, c'était quand même la tête de sanglier qui s'est décrochée et qui a failli faire des dégâts humains, quoi. Est-ce qu'on pourrait aller voir la zone dans laquelle elle apparaît, peut-être ? Surtout que je vois pas la connexion avec les Incas et ce truc, ça m'intrigue. Je sais pas, peut-être ils aimaient pas les sangliers, hein. Après c'est quand même des ravageurs, ils arrivent dans les champs, ils bousillent tout. Hein. Tu penses qu'il y avait des sangliers chez les Incas ? Ça m'étonnerait pas, dit. Hein.
il faut trouver une forme de matérialisation spectrale. Dès l'instant où on aura une forme de matérialisation spectrale, on saura vers où aller. Ce sera la première étape. Vous êtes d'accord, monsieur Bobby? Parfait, c'est exactement ce que j'allais dire, cher Jordan. Je vois que nous sommes sur la même longueur d'onde, peut-être même d'onde électrospectrale, qui sait. Vous savez, j'ai la foi, mais j'ai aussi que l'humour. Arrêtez. Qu'est-ce que je lui donne, ouais, c'est marrant, ça. On est bien sur la petite. Eh, je suis à côté et j'ai pas compris la blague. Non, mais qu'elle doit pas être aussi... Ah, mais répétez-la dans votre tête jusqu'à ce que vous ayez 40 ans et vous verrez, ça vous fera... C'est ça. J'ai que ça à faire. Oh, trop lourd, dingue. Bon, si vous vous déplacez, faites gaffe, parce que en plus que ce soit pas bien rangé, c'est dégueulasse, hein, dans ce studio. Donc, Eh ben, quand ça travaille, il y a du bazar. Hein. Quand c'est rangé, c'est que ça travaille au pareil, je te le dis. On va où alors? On fait quoi maintenant? Alors potentiellement, si vous allez à l'endroit où c'est tombé, c'est en plein milieu du plateau. Et c'est pas très compliqué, effectivement. Au niveau du plateau, vous voyez un trou qui a été comblé. Voilà, c'est du béton à la base du plateau. Et il y a vraiment un angle saillant qui a creusé à cet endroit-là et qui a été comblé à la va-vite. Est-ce que mon capteur a réagi à la paire de chaussures de Sixtine quand elle est arrivée? T'as ramené une paire de chaussures? Non, mais tu sais, ça réagit pas à ça. Non. Ok. Ça réagit aux perturbations électromagnétiques, pas. Allons-y, au milieu de la pièce, nous aurons une vue d'ensemble comme Moïse au sommet du Mont Sinaï. Et nous aurons peut-être la volonté du Seigneur qui apparaîtra. Bon, ouvrez-le. On cherche toute forme de gaz, de fumée ou de matière visqueuse qui pourrait s'être répandue quelque part. Tu veux dire de la fumée comme la machine à fumer? Ou de la matière visqueuse comme dans la loge du Réal? Non, quelque chose de plus fantomatique, quelque chose de vraiment verdâtre, tu vois. Matière visqueuse dans la loge du Réal? Bah voilà, en plus c'est verdâtre alors. Ah bah, peut-être faudrait qu'on aille voir, je pense. Moi je pense qu'il a éternué trop fort, mais bon. J'y crois pas! Mitchell, 16. Quoi? 1 et 6, 7, 16. Arrête ces conneries. Oh, Jojo, arrête. Arrête, je commence à avoir. C'est moi ton fantôme, hein, car. Mais non, t'étais la cible. T'étais l'élément perturbateur. T'es le 7 incarné. Jordan, tu as. Tandis que tu es à l'endroit où vous êtes là, sous l'emplacement où ça s'est cassé la gueule. Tu sens qu'il y a un truc qui te tombe sur l'épaule. Oh! Pardon, c'est pas moi. Sixtine, toi, tu remarques que c'est aussi dégueu que dans la loge du Réal. Ah, mais dégueu! Regarde, il y en a jusqu'ici, ça tombe dessus! Ah, trop bien! Attendez, bougez pas. J'essaie de choper un bocal ou un truc. Hey. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est parce que j'ai découvert ses origines. Je regarde en l'air. Tu as effectivement chopé du slime. Et tandis que tu regardes en l'air pour voir d'où ça te tombe, t'as une goutte de slime qui te tombe pile sur le front. Paf. Jésus Marie Joseph, c'est répugnant. C'est répugnant, mais c'est tellement cool. Bah dis donc, papa, il a mis le paquet cette fois. Heureusement qu'on a des gants. Donc ça a l'air de venir effectivement des poursuites en haut. Ça vient des poursuites. Et il y a des trucs où on peut marcher au-dessus là? On peut monter par une échelle et puis on peut circuler en haut ou pas? Dans ces studios? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu as des coursives pour aller au niveau des poursuites. Voilà, allons-y. Non, si tu m'excuses, mais moi je monte pas là-haut. Je m'y colle s'il le faut, y a pas de souci. Mitchell, restons groupés, on sait pas si on peut dégénérer. Et en plus, il nous faut qu'on utilise Sixtine comme appât. Quoi? Moi je t'ai expliqué déjà, c'est toi le 7. Ben, tu m'as demandé mon avis d'abord si j'étais d'accord pour être un appât ou pas. Est-ce que t'es d'accord pour être un appât, s'il te plaît? C'est quoi? Je vais demander à ma commu. Je me mets dans un endroit où c'est un peu joli et tout. Ouais. Et je lance un live direct. Ouais. Je vais sur Instagram et je mets plein de commentaires. Vas-y. Salut la commu. Donc ça commence comme ça, donc avec ma petite phrase
qui me permet donc de ouais. pour avoir un plus 5 en mental ou en physique. Ça dure combien de temps d'ailleurs? Parce que en fait, j'ai pas pensé que ça durait un petit moment, mais en fait, ça se trouve c'est, pas. C'est sur une situation. Donc, tu vas le garder jusqu'à ce que tu l'utilises. Ah d'accord, bon écoute, je le fais là maintenant. Salut la commu, et là je leur explique tout ce qu'on est dans le studio et tout ce que je pense et tout, et le fait qu'ils veulent m'utiliser comme appât. Et je leur dis, je lance un sondage, maintenant vous pouvez voter, savoir si je fais l'appât ou si je fais pas l'appât. Pas l'appât, l'appât, pas l'appât. C'est rigolo. Je C'est parti. Ok, comment on va faire ça? Ah, eh bien dans le chat... Je vais pas lancer un vote officiellement, mais dans le chat, je vais lire ce que vous écrivez. Appa ou palapa, voilà. Vous écrivez appa ou palapa, tout simplement. Ça peut faire une belle chanson. Appa palapa, appa palapa. Premier à voter, c'est Basile. Et puis après... Salut à ceux qui nous rejoignent, soyez bienvenus. Salut Julien. Ok, oh, je vois beaucoup d'appâts. Ok, ta commu a l'air de voter pour que tu fasses l'appât. Ils sont hyper bienveillants tous, je jure, ils m'aiment. Vraiment, je sens qu'ils m'aiment, quoi. Ouais. Bon, moi, du coup, une fois que j'ai eu la fin de mon vote et tout, je fais la petite... Dites-vous, Sixtine, que si ça tourne mal, vous serez une martyre. C'est pas la pire chose qui puisse arriver. Vous irez directement au paradis. Je crois que ça marche par buzz, les réseaux sociaux, non? Peut-être que tu peux faire le buzz avec ça, non? Faire le buzz. Alors j'ai coupé le live. Le seigneur est éternel, lui. De toute manière, vu que c'est papa qui organise tout ça, je sais très bien qu'il ne peut rien m'arriver. Alors, après que tu aies lancé le apapalapa auprès de ta commu, tu as vu d'ailleurs qu'il y avait une personne dans le studio qui avait ouvert son téléphone et qui avait écrit un truc, et puis qui avait fait « I'm a scat man !» Voilà, juste. La ref. Pa-pa-pa-pa. Oh. Merci à celui dans le chat qui m'a glissé le truc. Ah, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, tu grimpes, c'est ça? Bah, je sais pas ce que je dois faire pour être là-bas. Mais j'ai dit que je montais pas. J'ai pas les chaussures pour monter à l'échelle. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, je te promets. Je te suis un peu, mais de loin, tu vois. Et puis, non, mais attends. En fait, ça consiste en quoi? Parce que moi, j'ai demandé, mais je sais même pas ça consiste en quoi. Ok, je vais juste à monter l'escalier. En fait... Way to heaven, Sixtine. C'est ça. T'es tellement belle que le fantôme Inca, il voit en toi une déesse et il a qu'une envie, c'est de te rencontrer. Tu vois, c'est un peu comme un anniversaire surprise, tu vois. Putain, il est bien le script que papa, il a écrit, hein. C'est vrai que je suis un peu une déesse. C'est ça. Le premier rôle, Sixtine. Profitez-en. Ouais, le premier. Bah, vu qu'on est dans un studio, j'espère que les caméras tournent. Hein. Les caméras sont cachées, j'espère qu'elles tournent. Donc, je dois monter l'échelle. Et j'arrive tout en haut. Exactement. Voilà, c'est ça. Et peut-être y aura des brocolis là-bas en plus, on ne sait pas. Ah, il y a des chances, hein. ça vit souvent en hauteur, les brocolis. Oui, ouais, ouais, ouais. Là, je jauge, voir s'ils se moquent de moi ou pas. J'essaie de faire poker face, mais c'est pas très... C'est le menu des éclairagistes pour pas qu'ils soient trop lourds sur les échafaudages. Tu saurais pas trop dire s'ils se foutent ta gueule ou pas, mais... Parce que t'as un peu de mal avec ça, globalement. Ok, j'y vais. Et, yes. Donc je commence à monter. Bah, la commu a voté, hein. Donc je commence à monter, mais avec mes chaussures super compensées, c'est pas facile, quoi. Et puis en plus de ça, tu sais, j'ai une ceinture, enfin, tu sais, j'ai un gros jean comme ça qui monte là au milieu de la taille, et j'ai un gros espèce de ceinturon, et ça arrête pas de se prendre dans les barreaux, c'est trop pénible, quoi. Tu vois. Ok, donc, et puis avec tu montes. Ouais, mes bracelets qui font jgling jgling aussi, ça tape sur le fer, c'est infernal, quoi. Je fais un boucan du feu de Dieu. Tu es la seule à monter ou les autres te suivent malgré tout? Moi, je pense que je la suis, mais avec des lunettes infrarouges. Okay. Moi, je veux bien y aller aussi. Je Très bien. Suis, mais avec plutôt mon à l'aise avec tout le matos là, ça me plaît. Très bien. Jordan, tu montes avec les lunettes infrarouges. Je te demande donc un test de physique, puisque les lunettes infrarouges, c'est pas vraiment pratique pour regarder en dehors de voir des fantômes. Ouais, quelle chance. Je suis extrêmement, extrêmement physique. En plus, j'ai commencé la salle il y a pas longtemps. Hier. 11 moins 5. Non, ça fait pas 4, ça fait 6. Il met ses lunettes, il est vraiment très fier de lui, il est « J'y vais !»
Et en fait, il loupe la marche et boum. Ah. Mitchell, vous noterez que ces lunettes seront désormais à réviser. Jordan, si elles sont cassées, ce sera retenu sur votre salaire. Mais non, on trouvera une solution. T'inquiète, Jojo, je m'en occupe. Ça va, tu vas bien? Je crois que j'ai été attaqué par le fantôme, il était en dessous des escaliers, je l'ai pas vu venir là, il m'a saisi la jambe comme ça. Mais t'as raison, je sais pas si c'est le fantôme, ouais. Sixtine, ouais, ouais. Tu arrives à l'étage, toi. Du coup, ils perdent un peu de temps, en bas. Et en fait, moi, j'ai grave la forme. J'ai mal aux côtes. Aïe, ah, yeah, je suis en haut. Tu commences à te balader sur, sur la coursive où il y a les poursuites. Et... Tu voilà, pour toi ça te parle pas trop, hein, c'est des appareils techniques, quoi, c'est des gros spots. Et tu te balades un peu et tu trouves une autre flaque d'ectoplasme par terre. Ah ouais. Et c'est de là apparemment que ça coule au travers de la grille à l'endroit où était Jordan. Et elle est beaucoup plus grosse que ce que j'ai vu jusqu'à présent. C'est beaucoup plus gros. Elle est plus grosse, ouais. Je leur dis, il y a du truc dégueu vert là. Fais attention, c'est tu sens, qu'il fait chaud là-haut. Vraiment, c'est la température, tu te dis que ça doit être les appareils. Il y a une chaleur vraiment qui est étouffante. Par contre, si je peux ne pas rester longtemps, j'ai l'impression que je vais cuire là. Donc, tu veux faire quoi de ce truc dégoûtant gluant vert? Fais attention aux échelles, il y a 7 lettres à échelle. Ne vous inquiétez pas pour la chaleur, Sixtine, c'est normal. Quand j'ai fait mon émission du Carême Show, les 40 jours de live, à la fin, j'en pouvais plus, déshydraté par tous ces éclairages. Faites attention. Faites-moi un test de mental. Il y a 7 lettres à chaleur. Fuis. Faites-moi tous un test de mental. 16. C'est un échec critique. Ok. Donc c'est là que je peux utiliser mon plus 5? Tu peux, tout à fait. J'ai fait 5. J'ai fait 6. 5, ok. Attends, mental, j'ai moins 5, plus 5, donc ça s'annule en fait. Exactement. Eh ben, oh floute, 9. 9, ok. Mitchell, t'es... c'est normal que ça chauffe alors que les éclairages sont éteints? bizarre la chaleur avec les éclairages éteints là. Vous croyez pas qu'il faudrait qu'on aille voir aussi? Sixtine, tu vas bien? Je veux que tu me dises, que vous me disiez, qu'est-ce que je fais de ce truc là, parce que moi franchement je transpire et là je vais avoir des auréoles sous les aisselles et ça c'est pas possible les auréoles, ça veut dire qu'il va falloir que j'attende que ça sèche avant de refaire un live. C'est pas le problème là, je vais monter du coup, je prends okay. Le matériel de Jojo et je monte pour voir si... il se passerait quelque chose là-haut. Ça marche. Tu montes à l'étage, tu enfiles les lunettes infrarouges et tu vois une grosse source de chaleur derrière Sixtine qui a une forme un peu humanoïde. Les gars, je crois qu'on a trouvé. Peut-être vous pourriez monter aussi, les gars. Et si t'es monté aussi avec un PK émetteur, il est en train de biper, mais très fort. Vous entendez? J'arrive. J'essaie de me relever. Il a des trous dans les paumes et sur ses pieds. Peut-être on peut essayer d'établir le contact. Établir le contact sur le truc vert dégueu, là? Non, qu'est-ce que tu veux que ça te réponde? Derrière toi, Sixtine, peut-être. Je me retourne et je vois quelque chose, moi, ou pas? Je vois rien, j'ai pas les lunettes, j'ai pas... Qu'est-ce que tu vois? Non, tu vois rien, non. Non, après, Sixtine, peut-être tu peux avancer vers moi. Vous rappelez, en tout cas pour ceux qui ont lu le manuel du chasseur, que les apparitions physiques sont le plus souvent de nuit, rarement de jour. Ok. Ben, je m'avance vers Mitch. Viens, Sixtine, viens derrière moi, viens. Vous me faites quoi là? Ça y est, on va lancer les effets spéciaux. Garde ton calme et mets-toi derrière moi. Parce que j'ai l'air affolée. Non, c'est très bien. J'ai l'air dégoûtée. Parce que ce truc vert là, il y en a partout. Et je remarcherai pas dedans, je te le dis. T'inquiète, je m'occupe de ça. Les trucs dégueulasses, j'en ai fait de ma carrière. Hein, donc ne t'inquiète pas, tout va bien. Mitchell, tu vois qu'au niveau de la coursive, vraiment la sécurité manque. Enfin, ça laisse à désirer. T'as une barrière qui est manquante, une barrière de sécurité qui est manquante. Il y a des fils qui sont dénudés. Ah ouais. Voilà.
Sixtine, mets-toi un peu plus à l'arrière, on va essayer de redescendre doucement. Je vais essayer d'établir le contact avec l'entité, peut-être. L'entité ? Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Faites parle l'espagnol ! Parle l'espagnol ! Hola, ¿qué tal ? ¿Cómo está ? Tu vois la silhouette, alors avec tes lunettes infrarouges, tu vois la silhouette qui juste bouge comme ça, mais elle a l'air de flotter un peu sur place, quoi. Comme ça, ça va bien comme ça ? Comme ça. En espagnol. Elle se déplace en direction d'une des poursuites. Et d'un coup, flash ! La poursuite s'allume. Oh ! Comment t'as fait ? C'est trop cool, Mitch ! J'ai rien fait, Six. Vraiment, j'ai rien fait. Peut-être redescendre, c'est un peu dangereux par ici. Ok, descends, mais c'est bon, tu me la feras pas. Je sais que c'est toi qui as allumé la lumière. Oui, aussi qui semble se dévisser légèrement. Ok, on va redescendre doucement et calmement, d'accord. Doucement, calmement. Peut-être que c'est du WD-40 qui est sur le sol finalement. En bas, ça craint, ça risque de tomber là, faites attention à vous. Ok, on va établir un périmètre de sécurité, ok? Très bien. Vous descendez, mais pas par l'échelle. Hein. Échelle 7 mètres, je rappelle. Je suis au milieu de l'échelle. Tu pouvais pas le dire avant, Jojo. Je l'ai dit 3 fois. Échelle 7 lettres. Et parle espagnol. Arrêtez de parler en anglais. Puedes repetir, por favor. Muchas gracias. Mais t'as cru quoi que j'étais bilingue? T'as qu'à dire un, dos, tres. Je sais pas, moi. T'es ramé. Voilà, très bien. Vous redescendez et au bout d'un moment, vous voyez effectivement la poursuite qui était allumée commencer à osciller un petit peu, à pencher légèrement. Et vous la voyez qui commence à clignoter légèrement, puis à se décrocher et à tomber complètement. Et à s'écraser complètement au sol. Alors heureusement, il n'y a personne en dessous puisque vous aviez fait place nette. Par contre, il y a l'air d'y avoir... une espèce de grosse flaque d'ectoplasme qui s'est écrasée au sol en même temps, dessous, et comme une main qui commence à se former dans cet ectoplasme et à tendre la main comme s'il avait été écrasé par la poursuite. Ok. Bobby. Oui, mon cher. Je pense qu'on peut officiellement faire signer la décharge. Plus de doute là-dessus. Il y a bien effectivement une activité paranormale en ces lieux. Un fantôme, un cas, est présent ici. Très bien, très bien. Fantôme étranger, prime supplémentaire, n'oubliez pas. Oui. Surtout qu'on n'a pas les qualifications, parce qu'ils parlent probablement espagnol, étant donné que les conquistadors sont arrivés sur les terres incas. Les incas avaient déjà disparu, mais je pense que c'est la plus proche connexion. Jojo, trop de mots, tu dis trop de mots. J'arrive enfin en bas de l'échelle, après avoir lancé un cri ultra strident quand le truc a explosé par terre. Mitch, est-ce que vous avez la rubalise avec les petits fantômes pour délimiter un périmètre de sécurité? Non, j'ai pas... J'ai pas peur. À cause de la voiturette. Vous voyez la silhouette se former. Du coup, à partir de cette main, en fait, elle s'extrait de dessous ce truc. Et elle commence à se former comme une espèce de silhouette à une seule jambe. Qui. En fait, une fois que vous la voyez maintenant, vous la regardez. Et il y a un espèce de gros flash qui vient dans votre direction. L'instant d'après, le noir se fait, vous avez un petit peu de temps à reprendre vos esprits, à ne plus être ébloui. Et l'instant d'après, eh bien, vous voyez toujours cette silhouette un peu informe avec cette jambe et un espèce de gros objectif à la place du visage. Ok. Je filme. C'est très bien. Permission d'établir le contact. Permission accordée, Jordan. Très bien. J'essaie de m'approcher doucement et je commence à chanter Ti amo Lestipis tibristi Ti amo. Espagnol, Jordan, qui devient en pleine face. Jojo, tu te trompes là. Faut que je t'aime. Tu te trompes de latino. Du coup, moi j'ai
le téléphone, tu sais, qui regardait le fantôme, finalement, il se tourne vers Jojo, en fait, pour filmer cette... Tout doucement, tranquille, t'es pour filmer le désastre de sa chanson. Le bachata, c'est espagnol, ça, non? doucement, c'est espagnol. Michel, Bobby, vous faites quoi de votre côté? Parce que j'ai bien compris pour Sixty et Jordan. Je tiens frénétiquement, de plus en plus, j'égrène mon chapelet. Et ouais. je cherche un verset éventuellement sur un truc qui claque un peu. Mais je vais tenter, c'est un très sobre chapelet tendu. Crains la puissance du Seigneur Jésus-Christ et recule entité démoniaque. La foi est notre bouclier. Va des rétro. D'accord. Moi, Mitchell, tu fais quoi? Je suis en train de fouiller dans le matos qu'on a récupéré. Je ne sais plus exactement ce qu'on a récupéré comme matos, mais si on a quelque chose qui pourrait nous servir. Et j'en profite pour jeter un œil pour voir s'il n'y a plus de deck. Dans l'état actuel des choses, tu as un pack à protons. Bah, on va le sortir. Hein, tu vas le protoniser. Je n'attends qu'un ordre. Je te demande un test de courage. Et d'ailleurs, je vais à tous vous demander un test de courage parce que vous êtes confrontés à une entité fantomatique. Mais moi, j'y crois pas. Non. Est-ce que j'ai un bonus pour ne pas y croire? Oui, j'ai grave un bonus. De toute façon, t'as déjà des gros bonus en courage. Je regarde le pack à proton. Vin naturel! Et bim! Non, il y a trop de lumière. Ouais, ça fait 25, mais bon, c'est vin naturel. Moi, j'ai fait 12. Ok. 19 plus 2, 21. Cool! Et on est bon, d'accord. Hein? 7. Ah non! On est bon, hein? 7. 7 et 12, ce n'est pas suffisant, vous prenez un point de pression. Oh. Ok. Bon, Sixtine et Mitchell, pas de problème. Sixtine ne tremble pas, elle filme toujours aussi droit. Et Mitchell. Bah je prends le pack à proton, pack à je proton. Le retourne et je dis ouais. « Oh, ça doit pas être si compliqué !» Et j'utilise ainsi ma capacité spéciale. Ok, donc du coup, tu accordes un bonus de mental plus à quelqu'un d'autre. Enfin, à tous les autres, d'ailleurs. À tous, ouais. Pour potentiellement utiliser le pack à proton, quoi. C'est ça. Est-ce que toi, tu essayes d'utiliser le pack à proton? Bah oui. Ok, oui, donc je te demande un... Bah de toute façon, t'as fait ton test de courage, donc normalement, tu sais à peu près comment ça marche. Donc t'arrives à l'aligner. Je vais accepter que pour cette situation particulière, ça va pas être très compliqué. Ça marche pour celui des deux autres qui veut utiliser pour se convaincre qu'il peut utiliser le pack à protons qu'il y a à côté de celui-ci. Je fonce alors, j'attrape. Saisir d'être mon rôle de chef d'équipe. Alors, à quel pourcentage réglez-vous le pack à protons? Si vous avez lu le livret du fantôme. Petit atout. Ouais, un bon 20%, c'est évidemment ça. Bah, manifestation non verbale, j'aurais pensé un 30% au cas où. Quoique. Ne faites juste pas 100. Parce qu'il y a quand même pas mal d'ectoplasme, je pense qu'on pourrait, mettre à plus de 30%, cher Bobby. Très bien, Mitch. C'est vous le technicien. Allons-y. Ouais. 30%, je vous la fais assez courte. Vous n'arrivez pas à entraver le fantôme. Moi, je dis qu'il faut y aller à fond. J'essaie de danser, plus vite. Je dirais des amateurs. 30% chacun, hein, c'est ça, hein. Oui. Ok, il manque encore un petit peu, ouais. Ouais, il manque 10%, je pense. Peut-être qu'on pourrait mettre à 40. Et tu sais que si tu fais 50 et que lui fait 50, et ben ça fait 100. C'est logique. Oh, c'est 40 et 40, vous êtes à 80%. Vous réussissez à entraver le fantôme. Pour l'instant, vous l'avez. Vous le tenez dans votre pack à proton. Par contre, maintenant, il va falloir faire quelque chose. Jordan. Ok. Oui. Un piège. Compte sur toi, Jojo. Je, tout en dansant, j'essaie d'attraper le piège. Et je fais une petite glissade de curling là. Yeah. Et je lance la boîte. Ok, tu lances la boîte. La boîte arrive. Fais-moi un test physique, tiens. Bien sûr.
Et en le faisant, je peux dire un truc ou pas? Oui. En faisant glisser mon truc, je crie « Comme dans mon livre, page 112, quand il coopère pas, faut le protoniser !» Page 112. 17 moins 5. Eh bien, 12, écoute, plus 12 plus 5, ça fait 17. Plus 3 de mon « ça doit pas être si compliqué ». C'est non, vrai, c'est tout à fait. Non mais j'avais accepté que ça marche sur cette situation là pour vous pousser à agir. Donc tu parviens à viser super bien avec le piège qui atterrit juste sous le fantôme et l'aspire, la prison se referme, le fantôme est enfermé. Praise the Lord, motherfucker. Oh joli Jojo, bien joué. Non c'est pas bien, je sens qu'on a pas fait les choses qu'il fallait. Vous avez une personne à côté de vous qui approche et qui fait « Oh, impressionnant votre truc. Dites-moi, vous allez faire ça pour tous les fantômes du studio ?» Combien vous en comptez? Combien vous en comptez? Vous avez vu combien? Je sais pas combien il y en a, mais vu le nombre de casseroles que Ricole se traîne, il ne doit pas y en avoir qu'un.